Moi, Sean Ross, d'Afrique du Sud, aimerais déposer une plainte entre les mains du procureur de la République française contre l'État suisse pour le financement et l'organisation de la Seconde Guerre mondiale, la responsabilité pour la génocide sur les Juifs, des Gitans et des Russes, et l'avoir commandité par l'obscure organisation Octogone pour de l'antisémitisme par l'État suisse d'une façon camouflée et cachée. Ici donc, il y a une très rare photo d'Adolf Hitler de 1923 à Zurich. Quelqu'un avec une flingue dans la poche, des officiers suisses là et là. Pour le financement et commandement des attaques terroristes sur Charlie Hebdo et du vendredi 13 dernier à Paris par la banque suisse Altaqua. Et je demande d'être pris dans un programme de protection par la République française, car ma vie et celle des membres de ma famille, ma femme et nos trois enfants sont en danger à cause des menaces de ces nazis suisses qui ont financé Adolf Hitler par le général suisse Ulrich Wille et membre de Octogone. Et d'en avoir monté l'islamofascisme par les éminences grises François Genoux et Ahmed Huber ou Hans Huber al-Suisri de l'Octogone suisse. C'est une longue histoire et j'aurai besoin d'un endroit pour vous tout écrire, dans tout détail, avec des noms et des dates, ce que j'ai déjà fait en anglais dans ma chaîne YouTube Guret et Schatz et Fratz. La raison pour laquelle les nazis suisses m'ont enlevé le 16 juillet 2015 contre une rançon de 20 000 francs suisses à cause de mes vidéos YouTube dans lesquelles j'ai essayé d'avertir la France contre des attaques terroristes à venir et conçues et organisées par la Suisse. Et dans quel but les Suisses ont bien réussi de me faire taire? Et que pendant ce temps-là, j'étais torturé par la code O2T, la déprivation de l'air, de l'oxygène, dans des centres tortionnaires suisses pour des prisonniers politiques. J'étais là, il y a des années, quand des industriels suisses ont discuté l'avenir de la France. Quand l'octogone des nazis templiers et vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont décidé d'exécuter des opérations terroristes sous faux drapeau à Paris, toujours encore appelée Périsis par ses membres et signifiant la maison d'Isis, comme dans une maison royale de la veuve. Et à plusieurs reprises, j'ai essayé d'avertir les autorités françaises par lettre, par mail, par vidéo et par deux plaintes contre l'État suisse devant deux tribunaux français à Boulogne-sur-Mer le 11 février 2014 et à Mende le 24 mars 2014. On est 2016 maintenant, ça fait exactement 2 années et je n'ai jamais eu encore une réponse, un coup d'appel, un mail, une lettre, rien du tout. Et avec mes informations, on aurait pu éviter les tragédies de Paris et pu arrêter les Suisses d'Octogone. Car je savais qu'ils allaient frapper sur un vendredi 13 à Paris. Car justement le vendredi 13 octobre 1307, le roi français Philippe le Bel arrêtait tous les Templiers en France, et c'est la raison pour laquelle les Suisses et leurs nazis Templiers d'Octogone détestent encore la France et les Français. Et seulement 16 ans auparavant, les Templiers avaient déjà fondé la Suisse le 1er août 1291, car ils voyaient les problèmes venir. Donc ce jour du 1er août, quand les Templiers ont fondé la Suisse, c'est la fête nationale de la Suisse, le 14 juillet, quoi. Donc le dernier des croisades a eu lieu 1291, et le dernier bastion des Templiers, Saint-Jean d'Acre, dans le nord d'Israël, maintenant tombé le 18 mai 1291.
Et seulement 2 mois et demi plus tard, et le temps de revenir, les Templiers fondaient la Suisse le 1er août 1291. Et quand on regarde le drapeau de la Suisse, c'est la même couleur que la croix des Templiers, rouge et blanc. La croix des Templiers simplifiée sur le seul drapeau au monde qui n'est pas en longueur, mais une carré avec des mêmes longueurs. Et l'inverse de ce croix suisse blanc sur un fond rouge, c'est la croix rouge sur un fond blanc. Et ça vient des Hospitaliers, le prédécesseur des Templiers. Et sur le couteau suisse, il y a vraiment l'emblème d'un bouclier de Templiers. Et pourquoi donc ces deux couleurs, rouge et blanc, dans le chapeau, dans le drapeau de Templiers suisse? Les pharaons d'Égypte avaient deux empires. Celle du sud, le Haute-Égypte ou Perhète, ou maison blanche, une maison royale avec une couronne blanche, et le Pertaser pour le Basse-Égypte appelé la maison rouge. Oui, ça vient de là que le président des États-Unis à Washington réside dans la maison blanche. Et notez que le même mot démotique, per, est utilisé comme dans Père Isis pour Paris, la maison d'Isis, donc où la ligne royale et descendance d'Isis, la veuve. Et comme le but des croisades était les pyramides d'Égypte, où les Templiers ont trouvé leur trésor de Templiers, ils ont donné ces deux couleurs rouge et blanc du Royaume-Uni des pharaons à la Suisse, car ces deux royaumes rouge et blanc avaient de la guerre entre eux, et à un moment donné, ils ont fait de la paix et fondé un grand royaume uni de pharaons. Et comme ces Templiers sont de la descendance des pharaons, ce que j'expliquerai plus tard, venus en Europe, ils ont dit, ça, c'est notre base neutre, où on peut mettre nos objets de valeur et de l'argent en sécurité, où il y a toutes les NGO, comme la Croix-Rouge, les Nations Unies, the World Trade Organization, même le FIFA pour le foot, l'Organisation pour les Jeux Olympiques à Lausanne, etc. Tous sont là. La Suisse neutre, pas pour le peuple, pas pour nous, mais pour nos maîtres pharaoniques, les seigneurs aristocratiques qui font leurs négociations de paix entre nations en guerre, toujours tenues en Genève. Mais il y avait aussi une troisième couronne, la couronne bleue de la guerre. Et c'est pour ça que les nations qui font de la guerre pour ce pharaon, nos seigneurs, ont ces trois couleurs, bleu, blanc et rouge. Comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas. Rouge et blanc, ancienne couleur du drapeau français, symbolisant le Royaume-Uni des pharaons, et bleu pour la guerre. Comme les casques bleus du pharaon pour de la guerre, parabellum, comme la couronne bleue du pharaon, et après la négociation de paix à Genève, Royaume-Uni, rouge et blanc des pharaons. Les Templiers, en fait, n'étaient pas des moines, mais des aristocrates. Mais comme il y a une loi chez les bourgeois et le pharaon, que seulement le premier fils, il a le droit à tout, le château, le pouvoir, la terre, la concubine, tout. La primogéniture, et un deuxième ou troisième fils n'aurait rien, absolument rien du tout. C'est pour ça qu'il y avait tellement de conspirations, empoisonnements et poignardements pour la succession au cours dans le château. Mais normalement, la tradition voulait pour ce fils-là de se réfugier dans des monastères. Mais à un moment donné, il y avait tellement beaucoup de descendants sans pouvoir qu'ils se sont dit: mais nous aussi, nous sommes des aristocrates et on veut notre propre royaume. Mais pour un royaume, on a besoin de l'argent. Alors pour avoir un appui militaire de ces stupides Européens, ils ont dit que là-bas, à Jérusalem, vit Jésus avec sa grande mère et il faut lui sauver des Sarrasins, sinon le Dieu va nous punir avec le feu de l'enfer et ça sera la fin du monde.
Pareil que 1000 ans plus tard, ils ont dit que Saddam Hussein avait des armes à destruction massive. Tout menti, même tactique. Et en 1099, les croisés commandités par des Templiers ont fait un terrible massacre à Jérusalem aux Juifs et musulmans. Pareil que ce nazi Templier suisse l'ont répété pendant l'ère nazie. Le vrai but des croisades, c'était l'Égypte et les trésors de leurs ancêtres dans des pyramides. Ce qu'il est devenu le fameux trésor des Templiers, qu'ils ont ramené dans leur royaume dans les Alpes pour fonder des banques suisses avec. Et en effet, les Templiers devenaient les banquiers de l'Europe. Et c'est pour ça, plus tard, que les banques suisses ont collaboré avec des nazis. Les nazis Templiers. Et quand les Templiers d'origine pharaonique venaient en Suisse, ils l'ont appelé Suisse, pour sœur d'Isis. Les pharaons d'Égypte ne sont jamais disparus et leur base actuelle est la Suisse, bien centrale au robinet de l'eau et au robinet de l'argent, où on parle quatre langues pour mieux pouvoir agir dans toutes les directions. Et il y a marqué dans la Bible que le pharaon et son armée disparaissent dans la mer. Mais bien sûr, la mer ne s'est pas ouverte. Ça veut dire qu'ils sont disparus dans la mer des peuples et qu'ils sont parmi nous. Et quand ils et elles sont venus en Europe, ils ont partout construit des châteaux forts pour conquérir l'Europe. Et elles et ils sont devenus l'aristocratie avec leur sang bleu, signifiant bleu pour la guerre, parce qu'à cause d'eux et elles, on a des guerres sans arrêt dans l'histoire humaine. Vous voyez le pharaon avec son sang bleu, aristocratique, en train de taper sur l'humanité. Il n'y a même pas 100 ans, tout partenait encore à eux. La terre, le pouvoir, et même nos femmes par le jus primae noctis, au droit de cuissage, dans laquelle la première nuit, après le mariage, le jeune couple devrait laisser la femme au château, au lit du Seigneur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a trouvé la génétique d'ADN des pharaons parmi beaucoup d'Européens. Alors vous pensez, ils sont tous laissés comme ça et ils sont disparus sans trace? Comme il y a eu trop de révolutions, notamment en France et en Russie, la noblesse ont décidé de régner secrètement dans des loges franc-maçonniques. Et tous les politiciens sont francs-maçons et des aristocrates. C'est pour ça que les francs-maçons montrent des objets de leurs ancêtres, les pharaons, comme les obélisques, Yashim et Boaz, des pyramides, Isis, la veuve, l'œil tout-voyant, Dorus, etc. Et en fait, comme il y avait de plus en plus de descendance royale et aristocratique de pharaons en Europe, qui tous voulaient devenir rois, il y a eu des guerres entre des rois et entre des châteaux. Donc on a proposé le nouvel ordre mondial dans un système franc-maçonnique dans lequel chacun d'eux pourrait être le roi pour une période de 4 années. Mais qui va voter? Disaient un membre. Parce qu'entre nous, on est trop au courant. Ah, disait un autre, on laissera le peuple voter, car ils sont trop cons pour comprendre. On laisse le démos, le peuple, voter dans un cirque autour. Ça leur fera plaisir et leur donnera l'illusion que le peuple règne. Et c'est ainsi que la démocratie était née, issue de la bourgeoisie et de l'aristocratie. Et s'il y en a un nouvel ordre mondial, logiquement, il y en a un ancien ordre mondial. Et c'est quoi donc cet ancien ordre mondial? Ben, c'est le système féodal des rois, des reines et des princes et des princesses, des ducs, des comtes. Et issus de Templiers et leur base, la Suisse, sont donc nés les francs-maçons et leur nouvel ordre mondial. Suite à leur guerre avec l'ancien ordre mondial et d'être persécutés par le roi de France, Philippe le Bel, qui ne voulait pas abandonner sa poste au trône.
Et c'est pour ça, ce templier du nouvel ordre mondial avec ses mercenaires suisses à la Bastille, qui torturaient des citoyens français pour provoquer la révolution et la fin de l'ancien ordre mondial. C'est ainsi que les templiers, petit à petit, ont infiltré la société française par des mercenaires suisses entraînés et aux commandes des templiers. Maintenant, en France, ont toutes les postes clés avec un Suisse, Manuel Valls, à la tête, qui veut Marine Le Pen comme président, qui à son tour monte la Suisse comme modèle pour la France et s'exprime de ça ouvertement. Voir toutes mes vidéos sur mes chaînes YouTube Guret et Schatz et Fratz, les preuves sont tout là. Et pensons encore à la garde suisse au Vatican, qui sont donc salués par des nazis, leurs amis nazis ici sur ce photo. Et même la Légion étrangère a été fondée par des Suisses avec son premier commandant von Stoffel, un colonel suisse, et par le roi français Louis-Philippe, qui a passé la plupart de sa vie en Suisse, comme Mussolini, Lehner, le traître Pétain, Rudolf Hess, etc., Mengele. Ils ont tout vécu en Suisse. Le symbole de la dignité royale de Pharaon est le lion ou le sphinx. Et c'est pour ça qu'un blason aristocrate est toujours tenu par deux lions ou deux lions à l'entrée du château. Mais il n'y a jamais eu de lion en Europe. Ça veut dire qu'il y a une puissance étrangère qui règne en France et dans le monde entier. Car nous, en Europe, on a des loups et des ours, et pas de lions. Et quand j'ai traduit Ari comme dans aristocratie ou arien, dans le démotique et langue écrite de Pharaon, ça veut dire a enceinte ou grand, et quand une femme est enceinte, c'est grand. Et ri, c'est le soleil, comme le dieu solaire Re ou Ra. Donc Ari, ça veut dire enceinte, soleil. Qu'ils ont né là-bas du soleil, ces adorateurs du soleil pharaonique, qu'ils viennent des cieux et ne sont pas d'ici. En plus, quand on regarde la complexité de leurs œuvres, comme des pyramides, leur science et leur façon de dominer l'humanité. Mes frères musulmans, l'ennemi n'est pas les juifs, comme les nazis suisses le disent, mais l'ennemi, ces pharaons avec leur base des nazis templiers, la Suisse. Et ces pharaons désignés comme le mal incarné dans le Coran, la Bible et le Torah. Et Pharaon va mettre les musulmans de l'Europe dans des camps de concentration, comme les Suisses l'ont fait avec les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Prenons un mec comme Sarkozy, qu'il est juif du côté de sa mère André Malla de la Grèce. Mais il est aussi aristocrate et d'une lignée des rois hongrois. Et c'est pour ça qu'il a cette syllabe Sar dans son nom. C'est une abréviation pour Son Altesse Royale, Sar. Et ça veut dire le roi dans la langue de Pharaon, comme dans une sarcophage. C'est une boîte pour foutre le roi dedans quand il est mort, ou comme César, le roi de Rome, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, les tsars de la Russie, la famille Windsor de l'Angleterre, et Sarkozy, le roi de France, pour 7 ou 5 années. Alors, il est quoi ce Sarko? Est-ce qu'il est juif ou est-ce qu'il est un aristocrate? C'est pareil de demander le prince Charles s'il est un prince ou un anglais. Mais il ne va pas te dire, mais il pensera qu'il est aristocrate et d'être l'anglais. Bon, c'est lointain et un truc du peuple. C'est pareil pour ce monsieur Sarko. Il est d'abord aristocrate et longtemps après un juif. Et encore longtemps après ça, il est français, sans aucune goutte de sang français. Et cette classe élitaire-là,
mais sans exception leur pognon et leur évasion fiscale dans leur base neutre, rouge et blanc, de cet royaume-uni de Pharaon, la Suisse. Comme il y a 80 milliards d'euros français qui finissent annuellement en Suisse. Parce que la bourgeoisie aristocratique n'ont jamais dans l'histoire encore payé des impôts. Mais ce sont eux qui ont inventé des impôts et parasité sur le peuple affamé. Tandis qu'ils ont fait la fête au château avec nos femmes et nos proviants taxés. Et tout ça perdure de nos jours, rendu possible par leur base de l'élite financière mondiale dans les Alpes. Et quand le mois d'octobre 2010, le jeune Autrichien Wolfgang Umfogel a voulu vendre des CD bancaires avec des dates, des noms et des chiffres concernant l'évasion fiscale en Suisse, à l'Allemagne, à la France et à l'IRS américain, le service secret suisse d'Octogon l'ont chopé et l'ont suicidé en 2 semaines seulement dans un centre tortionnaire pour immigrants à Amthaus-Berne. Alors moi, Sean Ross, contactais le journal le plus grand en Autriche, le Kronenzeitung, et l'ont aidé à écrire un article. Et ils ont publié que le jeune homme était suicidé et torturé par code O2T déprivation de l'oxygène. Et quand les autorités suisses, corruptes, ripoux et fascistes à 100% l'ont lu et vu mon nom dedans, Octogone de la Suisse m'a envoyé une unité antiterroriste pour l'intimidation mafieuse. L'arrestation a été publiée dans le journal Blick que j'ai filmé ici dans ma chaîne YouTube. Après encore, j'ai reçu des menaces de mort par des policiers suisses qui m'ont frappé, arrêté sans arrêt et qui ont menti des choses ensemble pour me faire criminaliser et de me faire taire. Et j'ai des témoins de tout ça. Finalement, on m'a interdit d'en parler de la terreur suisse sur YouTube. Donc la justice suisse m'a interdit d'en parler. Ce que j'ai refusé, car ce que je publie, c'est la vérité. Et on peut voir sur YouTube comment les ripoux suisses me frappent. Et tout est publié sous les lois américaines, loin de la juridiction suisse. Après, je n'osais plus sortir de la maison pendant 4 années, jusqu'au 16 juillet 2015, quand les ripoux autorités suisses m'ont kidnappé contre rançon de 20 000 francs suisses ou des années de prison, jusqu'au moment que ma femme a payé le reste du rançon. Pour tous ces crimes organisés suisses contre moi et ma famille, crimes contre la France, crime contre l'humanité et ce crime contre le peuple juif par le Shoah, organisé par ces Suisses, je veux porter plainte. Et sur tout dont je parle, j'ai fait des documentaires en anglais sur ma chaîne YouTube, Guret et Schatz et Fratz, comme le meurtre sur les ministres français Robert Boulin, organisé par Octogone, des nazis templiers suisses. L'empoisonnement de tout un village français de Pont-Saint-Esprit avec plusieurs morts pour que les Suisses pourraient mieux vendre leur LSD à la CIA. Avec Alan Dulles et J. Edgar Hoover, d'origine suisse, à la tête du CIA et du FBI. Pareil comme Octogone a infiltré la France. Le président Eisenhower, J. Edgar Hoover du FBI et le président Herbert Hoover, vrai nom Hoover, c'était tous des Suisses. Et même Obama a des ancêtres suisses de Riet-Gerkersers, du canton de Berne. Et Erich Honecker, le criminel président de l'Allemagne de l'Est, c'était un Suisse également. Et quand le Suisse Herbert Hoover devenait président, seulement quelques mois plus tard, les Suisses ont provoqué le Wall Street Crash de la bourse américaine pour voler les épargnes des simples citoyens américains.
Et pour cette occasion, quelques mois plus tard, la Banque des règlements internationaux a été fondée à Bâle, Suisse. La banque centrale de toutes les banques centrales, comme le Federal Reserve américain, qui a transféré l'argent volé à la Banque des règlements internationaux à Bâle, la banque des nazis de Hjalmar Schacht et 33e degré maçon, le banquier d'Adolf Hitler pour financer l'industrie de guerre nazie. Hitler était déjà à Zurich, Suisse, en 1923, quand le général suisse Ulrich Wille, marié dans la haute aristocratie de von Bismarck, l'a financé. Invité en Suisse parce que Rudolf Hess a fait ses études à l'école polytechnique de Zurich. Et les Suisses d'Octogone, des nazis templiers, l'ont financé, sous condition de massacrer toutes les juifs de l'Europe et d'aller détruire la France. Par la suite, les Suisses ont mis tous leurs hommes à la tête de la furie nazie, comme le ministre de la Santé du Reich, le SS Obergruppenführer, le docteur Leonardo Conti, avec surnom le sadique suisse. Il était né dans le Tessin, Suisse, comme la famille de Manuel Valls, du côté de sa mère, de Manuel Valls. Et il était responsable d'essais humains sur 400 000 personnes. Le sadique suisse, le docteur Leonardo Conti, c'était le chef de docteur Joseph Mengele, lui-même un Suisse ethnique, qui, après la guerre, vivait protégé par les autorités suisses dans le Bahnhofstrasse 9 à Kloten, Zurich, et qui allait skier à Engelsberg, la montagne des anges, lui l'ange de la mort d'Auschwitz, car son fils Rolf a fait des études sur l'internat le plus cher au monde à Montreux. Après, le commissaire de la police de Berne, capitale de la Suisse, le docteur Heinrich Rothmund, les a toutes donné un passeport Croix-Rouge pour l'Argentine. Comme Klaus Barbie, le boucher de Lyon, Adolf Eichmann et le reste de ces nazis templiers suisses, de dizaines de milliers criminels de guerre nazis fournis avec des passeports Croix-Rouge. Le SS Standartenführer, le colonel Karl Jäger, né à Schaffhausen, c'est aussi un Suisse et à la tête du Einsatzgruppen, la vague d'assassins derrière l'armée allemande pour liquider la population civile en Russie. Et il a tout noté dans le rapport Jäger, comment ils ont tué manuellement dans les fosses 400 000 juifs, donc 32 000 enfants, manuellement. Le mastermind d'Adolf Hitler et le père mondial de l'eugénisme, c'était le Suisse docteur Ernst Rüden, né à Saint-Gall, Suisse. Et comme le docteur Mengele, le premier commandant du premier camp d'extermination Sobibor, le SS Sturmbannführer Christian Wirth, surnommé Christian le Terrible, était un Suisse ethnique. Pareil comme Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, aussi un Suisse ethnique. Julius Streicher, qui a publié le magazine raciste Der Stürmer, qui montrait des autres races et leurs religions comme des bêtes, genre Charlie Hebdo, qui fait pareil. Heinrich Himmler, la tête du SS, etc., etc. Ils étaient tous des Suisses ethniques. Qu'est-ce que c'est donc un Suisse ethnique? Pendant la guerre de 30 ans, entre 1618 jusqu'à 1648, environ 100 000 mercenaires suisses, sous commande des Templiers, ont fait un vrai génocide au peuple allemand en tuant 20 millions d'Allemands et leurs enfants, correspondant à 2/3 de la population allemande,
de villes entières disparaît de la terre. Et ces mercenaires suisses ont dit à leurs compatriotes dans la patrie, bah, ça y est, c'est libre. Vous pouvez vous y installer. Donc, dans le sud de l'Allemagne, le Baden-Württemberg et une grande partie de la Bavière, le Vorarlberg en Autriche et l'Alsace en France. Ce sont des Suisses ethniques qui ont remplacé la population autochtone d'origine qui parle le dialecte alémanique comme en Suisse. C'est ça donc, des Suisses ethniques comme la plupart de ces dirigeants nazis, avec des drapeaux rouges et blancs comme en Suisse. Et comme le Royaume-Uni des Pharaons. Et en Alsace, encore gallo-romaine à l'époque, les mercenaires suisses ont massacré 80% de la population, étymologiquement donnant le mot Alsace, de provenance Al-Suisse. Et les Alsuissiens, qui sont tous suisses, quoi, et qui n'aiment ni les Français, ni les Allemands, parce qu'ils sont suisses, avec les mêmes affiches racistes comme en Suisse, exactement la même chose. Et ils sont très organisés avec la Suisse. Ce sont aujourd'hui les régions les plus riches de l'Allemagne et de la France, pour des raisons évidentes. Et en 2014, et c'est paru dans des grands journaux internationaux, que la Suisse veut construire une grande empire. Actuellement avec l'Alsace, comme on voit sur le dessin ici. Le sud de l'Allemagne, l'ouest de l'Autriche et le nord de l'Italie pour répatrier dans le Reich toutes les Suisses ethniques. Ça a toujours fonctionné à travers l'histoire comme une zone tampon autour de la Suisse pour mieux protéger la mère patrie, base centrale. Le Shoah et la Seconde Guerre mondiale étaient donc à 100% organisés et exécutés par les Suisses. Et moi aussi, j'ai perdu mon grand-père en 1942, qui était officier dans la marine anglaise. Je porte donc plainte devant un cours de la justice française contre l'État de Suisse pour homicide dans 50 millions de cas. Et d'avoir prémédité l'Holocauste et la Seconde Guerre mondiale, plus les autres crimes suisses contre l'humanité et contre moi et ma famille, mentionnés ici dans ce texte et montrés dans le film YouTube nommé La Bête Suisse. Comme dans les révélations de Jean dans la Bible, la bête avait 7 têtes et 10 cornes. C'est la Suisse, cette bête, qui a 7 têtes de l'État, qu'on appelle des conseillers fédéraux, qui partagent 10 ministères entre eux. Burgdorf, en Suisse, par le nom de Berthoud, en français, est sans doute le berceau du nazisme moderne et jusqu'à nos jours le centre du nazisme mondial, car dans le 18e siècle, y vivait le duc Hartwig von Hund-Radowski. Un aristocrate pharaonique encore, et qui était vraiment une source d'inspiration par excellence pour le jeune Hitler, qui lui a fait former l'idée déjà à un très jeune âge de mieux éradiquer tous les Juifs de la planète. Et ça vient toujours de la Suisse, jusqu'à nos jours, avec des attentats à Paris de 2015. Et quand la mafia fasciste de la Suisse m'a eu en otage contre rançon de 20 000 francs suisses en 2015, à cause de mes vidéos, mes documentaires historiques comme Auschwitz Made in Switzerland et autres, sur la responsabilité suisse pour le Shoah, l'Octogone m'ont gardé en otage dans le centre tortionnaire de Burgdorf et également le berceau du nazisme moderne. Du duc Hartwig von Hund-Radowski. Quand dans la cellule à côté de moi, il y avait un néo-nazi de Burgdorf, Suisse, même, condamné à une légère peine de quelques mois seulement pour en avoir fait des attentats aux explosifs sur des centres de réfugiés.
tandis qu'il y avait des immigrants avec de lourdes peines de plusieurs années pour en avoir fait rien du tout. Le néo-nazi suisse était complètement tatoué avec des paroles comme « 6 millions n'est pas assez », donc je savais, il avait sûrement lu les œuvres du baron de Burgdorf. Et sur son visage, il avait une énorme swastika croix gammée tatouée. Et je vois encore cette grande croix gammée sur son visage se déformer sous la grimace qu'il faisait quand je lui ai dit que maintenant, avec tous tes tatouages, t'es vraiment un homme de couleur. Et comme les Suisses sont froids comme des reptiliens, je ne sais même plus encore s'il a vraiment apprécié ma sens d'humour britannique, ou plutôt pas. Il y avait également des gardiens avec des lettres style nazi dans la nuque, et il était le détenu favori des gardiens, qui était toujours de bonne heure, avec sourire, comme de vieux copains envers lui. Tandis qu'envers nous, les immigrants, c'était haleine suisse dans ce centre nazi de Burgdorf. Il faut différencier deux types de nazisme, le nazisme des pauvres et le nazisme des riches. Le nazisme des pauvres est très visible et très bruyant, avec la main droite montant, crâne rasé, tatoué, exprimant leur haine à tout instant. Primaire, pas trop doté de l'intelligence, en disant supérieur, et issu de milieux ouvriers forcés de vivre avec des immigrants comme voisins moins désirés. Ce modèle est plutôt rare en Suisse, le pays par définition du nazisme des riches. Des banquiers et des industriels agissant dans le secret, invisibles, silencieux et très organisés. Et c'est toujours le nazisme des riches et des millionnaires qui essaie de mobiliser le nazisme des pauvres et pas d'inverse. C'est le genre Le Pen en France, milliardaire, avocat et véritablement et visible dans mes vidéos avec le drapeau suisse dans leurs mains. Et qui essaie de mobiliser le nazisme des pauvres pour leur but obscur, traditionnellement plutôt occupé de s'enrichir, plus à travers une guerre, et par la suite de la planquer en Suisse, leur base de l'Octogone. Ce que les nazis ont fait, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les nazis ont gagné la guerre, comme ça. Au contraire des Allemands, qui l'ont perdu. Et à la fin de la guerre, il y avait à la Maison Rouge, à Place Kléber, Strasbourg, un agent du DST, ou son prédécesseur, présent, qui a témoigné d'Octogone. Mais il ne comprenait pas, comme moi, le pourquoi, en fait, de ce nom Octogone. Ben, quand on tire une ligne autour d'une croix de Templiers, ou la croix suisse, pareil, on aura une forme octogonale. Et en étant historien, comme je le suis, ou archéologue, on le sait que les Templiers, presque toujours, ont construit leurs temples et châteaux forts dans une forme octogonale. Et évidemment, issus des mêmes raisons, le nid d'aigle de Hitler et la fureur des nazis Templiers est construit dans une forme octogonale. Et c'est pour ça. Le nazisme des riches suisses a condamné le jeune tatoué nazi des pauvres à une très légère peine, car il pourrait encore prouver ses qualités discutables, très utiles dans un projet à venir. Et jusqu'à ce jour-là, il sera encore enfermé pour un très court délai, enfermé avec de ses immigrants, qu'il aime si tant pour en disant faire augmenter ses qualités serviables au nazisme des riches, qui sont centrés en octogone dans les Alpes, et l'exemple préféré de Marine Le Pen, aussi bien sûr du nazisme des riches. C'est pour ça qu'il y aura encore
des attentats terroristes sous faux drapeau environ 2 semaines avant les élections présidentielles en France, pour bien manipuler l'opinion publique vers Le Pen pour président, comme les attentats du vendredi 13 2015, juste avant les élections, comme par hasard. Et on n'a vu ni un corps de ces, en disant, assaillants arabes. Au lieu de ça, il y en a de sérieux témoignages dans des très grands journaux anglophones, comme ici dans le Mirror anglais du 14 novembre 2015, qui ont vu des hommes blancs aux yeux bleus, très costauds et musclés, genre militaires. C'est la raison pour laquelle à Paris, il n'y a que des gens de gauche étaient pris comme cible. Charlie Hebdo, un concert de rock au Bataclan pour des jeunes de gauche avec des cheveux longs, et le foot encore une chose du peuple. Aucune cible de droite a été visée, ni les autorités et ni le McDo, juste à côté de cette cible du vendredi 13 à Paris. C'est clair que la droite et ses nazis templiers d'Octogone Suisse qui étaient derrière. Moi, je sais que c'était Octogone, parce que j'étais là quand l'avenir de la France a été discuté par l'Octogone Suisse, et je peux fournir des noms. On peut déjà logiquement déduire, par le fait des informations-là, qu'on ne peut pas savoir tout cela sans être initié. Et c'est pour ça, en Suisse, j'ai passé 5 ans et demi en détention comme prisonnier politique, pour m'avoir exprimé sur des choses que la loi de silence suisse ne permet pas. Et dans ce pays, dans les Alpes, il y a une très longue tradition de la haine, du racisme et de l'antisémitisme envers tout le monde qui n'est pas suisse et ne correspond pas au modèle conçu. Et donc, au même moment que le duc Hartwig von Hundradowski de Burgdorf, Suisse, et centre du nazisme dur, a publié cette thèse antisémite au XVIIIe siècle, élu par Hitler et le reste de ce nazi, l'État de Suisse, en 1776, a ordonné par décret que les Juifs de Suisse devraient tous être enfermés dans le petit village de Endingen et Lengnau, au nord de la Suisse, près de la frontière allemande, en espérant qu'ils allaient tout foutre le camp vers l'Allemagne. Ce qu'ils ont fait, en effet. Et quelques années plus tard, il n'y avait plus aucun juif en Suisse. Ils étaient tous partis et chassés de la Suisse. Pareil comme les Suisses, avec leur terreur envers les autres, ont fait avec moi, maintenant. Et ça continue la tradition centenaire de ces Suisses anti-tous qui sont différents. Avec des musulmans comme juifs d'aujourd'hui, les camps de concentration anti-islam sont déjà prêts. Et dans le Moyen Âge, en Suisse, l'État avait déjà obligé des juifs de toujours porter une cercle jaune sur la veste et un chapeau jaune avec une certaine forme, comme le typique chapeau de sorcier est très long. Il n'est donc pas une surprise que l'État de Suisse, déjà avant la Deuxième Guerre mondiale, a obligé à tous les Juifs en avoir le tampon J dans le passeport, et David pour les hommes et Sarah pour les femmes, devant leur nom dans ce même passeport. Ce que, bien sûr, les Boches trouvaient une excellente idée. Même le bateau esclave vers l'Amérique appartenait aux Suisses. Le KKK, Ku Klux Klan, a été fondé par des Suisses et a un logo sur un fond rouge avec un croix blanc dedans. Le drapeau de la Suisse. L'attentat de Lockerbie a été construit par des Suisses et l'entreprise Mebo de Zurich. Et l'attentat terroriste à Tunisie en 2015 a été provoqué par la police nazie de Zurich. Les preuves de tout ça sont dans mes films, comme ici, sur ma chaîne Guré. L'éminence grise d'Octogone, Suisse, François Junoux, était un ami personnel d'Adolf Hitler
et de Amin al-Husseini, le mufti de Jérusalem, oncle de Yasser Arafat et la tête de deux divisions SS musulmans qui ont mené un véritable djihad contre des Serbes, Juifs et Gitans en Yougoslavie, en tuant environ 400 000 hommes, femmes et enfants, et de les avoir massacrés dans le terrible camp de Jasenovac. Après la guerre, Junot a trouvé un avocat pour Klaus Barbie, le boucher de Lyon, Adolf Eichmann à Jérusalem, et pour des autres sbires nazis. Ensemble avec l'autre éminence grise, Hans Huber, ou Ahmed al-Swisri, ils ont fondé la banque Al-Taqwa pour mieux financer l'islamofascisme avec lequel ils ont infecté l'islam avec des idées à la Mein Kampf et pour financer le terrorisme de gauche des années 60 et 70, qui était en plus entraîné par le Stasi de l'Allemagne de l'Est dirigé par Erich Honecker pendant 30 ans, qui était également un Suisse ethnique du Saarländische Schweiz, dans le sud de l'Allemagne et loin de l'Allemagne de l'Est en plus. En 2001, ce Hans Huber Ahmed al-Swisri, l'autre éminence grise d'Octogone, s'est forcé à deux reprises dans notre maison, qui était juste à quelques kilomètres de là où il habitait, pour nous faire des menaces. Qu'il fallait mieux écrire contre les Juifs et Christoph Meili, au lieu d'écrire contre la Suisse. Sinon, je ne verrai jamais plus mon fils Myron, juste enlevé par des Suisses. J'ai refusé et je n'ai jamais plus revu mon enfant aimé. Ça fait 15 ans maintenant et je ne sais même pas s'il est en vie encore. Je sais par avance que cette plainte ne servira à rien, comme les autres deux plaintes auparavant, car l'octogone des Suisses est partout au pouvoir, par l'étoile maçonnique mondiale, qui reçoit leurs ordres par les Templiers d'Octogone dans les Alpes. Il y en a de véritables lois de silence envers cette base maudite qui sera toujours protégée par des médias, des armées internationales, bref, par le pouvoir absolu. Les Suisses sont des criminels organisés avec un pays. Es fecit cui prodest. À qui profitent donc les attentats terroristes en France? Réponse, la Suisse, car ça déstabilise la communauté européenne détestée par les Suisses. Les immigrants et musulmans mal visés le doigt, les frontières vers la Suisse fermées et la libre passage en Europe finie. Tout ça dans l'intérêt des nazis suisses de ce pays régné par l'extrême droite. J'espère que par cette preuve-là, qu'il y a plus de gens dans le monde qui reconnaissent que la Suisse représente le mal incarné, la base du diable. Liberté, égalité, fraternité. C'est pas pour nous. Comme j'explique dans mon film La Bête Suisse, Base du Diable, ici c'est la mairie, à Illkirch, en Alsace. Ça veut dire le deuxième, troisième fils qui voulait aussi régner de l'aristocratie. Ils ont fait le nouvel ordre mondial, le nouvel système qui pouvait aussi être le roi pour une période de 4, 5 ou 7 années, comme j'explique dans le film. Et fraternité, ça veut dire on va plus s'entretuer pour le pouvoir. Les fratricides au cours dans le château, on est tous des frères. Même le deuxième, troisième fils qui n'avait pas le droit de régner. Hein, fraternité, ça vient du mot frater, le frère. Égalité, on est tous pareils. Même le deuxième et le troisième fils, il peut régner. Pas seulement la primogéniture ou le droit d'aînesse et liberté. On a tous la liberté de régner. C'est ça que je veux dire, liberté, égalité, fraternité. C'est pas pour nous le peuple, c'est pour eux nos seigneurs. Pareil que la République, ça veut dire ré, ça veut dire encore, et public, ça veut dire le peuple.
Ça veut dire le peuple de nouveau au pouvoir, comme avec ce système de démocratie qui n'est pas pour nous, parce que dès le moment, ce mec-là, ils ont élu, mais ils font comme ils veulent. Et la démocratie, c'est pour que nos seigneurs aristocratiques, pharaoniques, ils peuvent se faire élire démocratiquement. Ce n'est pas pour nous. Pareil que la Révolution française a été une transition de l'ancien ordre mondial, le système féodal, de la primogéniture, jusqu'à la nouvelle ordre mondial. Et pour ça, ils ont terrorisé et affamé le peuple français pour qu'ils élèvent contre le roi. Ce qui s'est produit, le roi il a perdu sa tête et le nouvel ordre mondial franc-maçonnique templière, ils ont repris le pouvoir. Ici, à Ilkirch, en Alsace. Alors ici, à Strasbourg, nous on est ici, les Européens, on dort dehors, quoi. Et là, après le deuxième pont, là, ici à Strasbourg, il y a l'ENA, École Nationale d'Administration, où ils pondent leurs œufs, ces reptiliens, ou je ne sais pas quoi ceux qui sont, et où ils préparent le nouvel président de la France. Mais c'est ça que je t'ai dit tout le temps, et ils sont dans un bâtiment de Templiers du 11e siècle. Et c'est ça que je t'ai dit dans mon film La bête suisse tirée base du diable, que les francs-maçons, ils sont issus de Templiers. Donc leur descendance franc-maçonnique, ils sont dans un bâtiment de Templiers. Combien de fois je dois vous dire ça? Les preuves, ils sont là. Ce ne sont pas des juifs qui règnent. Ça colle pas du tout historiquement. Impossible. Alors c'est là, et un ancien bâtiment de Templiers du 11e siècle qui était renouvelé dans le 16e siècle. Et tous les présidents français ils passent par ici, comme et avec Sciences Po. Il y a seulement deux en France, ici à Strasbourg et à Paris. Ah, c'est joli ici, c'est comme la rivière du Nil avec des tours comme protection. Ils sont là. Et les Français, ils dorment là, sous le pont. C'est ça nos maîtres. Alors là, c'est le bâtiment des Templiers. Je ne sais pas ce que ça veut dire, tout ça. C'est joli. Ah, des caméras partout, superbe. Ici, ils sont là, la soirée, nos futurs présidents de la France. Donc s'il y aurait eu vraiment des musulmans qui s'attaquent à la France, et ce n'est pas le cas, c'est tout menti, mais ils seraient là pour enlever le pouvoir. Quoi. Là aussi, il y a une barre là. Et au lieu de ça, ils se sont attaqués aux jeunes de gauche dans le Bataclan avec des cheveux longs. Et, les gens que le pouvoir ne veut pas, hein, tu comprends? Et comment on se retrouve à la patrie suisse de Pharaon? Je connais des endroits qui sont exactement comme ici, à Thun, en Suisse. Tu vois? Alors regarde le film La bête suisse tirée base du diable. Explique tout. Alors c'est joli, il y a des touristes, et des tours, c'est une prison, c'est très stratégique. Il y a beaucoup de pouvoir, la gendarmerie derrière, là aussi le bâtiment noir c'est des autorités. C'est toujours ce bourré de l'autorité, et je pense que c'est un internat, il reste là, tu vois. Tu vois les choses là, de la bière ou quoi. Et voilà. Nos seigneurs, des châteaux de partout, des tours. Là, encore une là. Quai de Malte, hein, comme l'ordre de Malte. Juste là, où il y a le pont, où il y a le bâtiment des Templiers, et le nouvel ordre mondial, et leurs enfants là, qui sont été. Où ce reptilien, ils ont pondu leurs œufs.
Des noms, il y en a partout. Hein. C'est l'ordre de Malte. Et quand ils ont été bottés d'or de Jérusalem, mais ils sont restés au milieu du Méditerranée sur l'île de Malte, où toutes les réfugiés ils arrivent là maintenant. Et quels essais ils vont aller faire sur ce pauvre Jean. Alors là, c'est le quai de Malte. Il y a sûrement plus de choses à voir, mais bon, vous avez compris. Hein. C'est très stratégique, c'est comme une forteresse. Là où les nouveaux présidents de la France ont été formés. Là, il y a une grande gendarmerie, là, où il y a l'antenne. Donc, les chevaliers du roi, ils sont juste à côté. Hein. Comprenez? Alors, je passe ce passerelle ici de Templiers pour arriver là où je veux aller le voir. Et c'est très stratégique tout ça, c'est une forteresse. Et donc, excusez-moi que je peux filmer à l'entrée seulement une fois, en anglais et en français au même temps, parce qu'ils vont me botter d'or. Ils appellent les flics quand tu restes trop longtemps. Hein? C'est les enfants du pharaon. C'est ici, donc, la côté derrière. La grande gendarmerie juste à côté. C'est tout stratégique. Ils ont pensé à tout. Et ils ne sont pas là pour aider ce pauvre Français qui dorme sous le pont. Là, c'est le passerelle. Voilà. Alors, là, il y a un pauvre Français qui dort dehors. Juste là où le futur président de la République sont formés par cette aristocratie pharaonique de la Suisse. Et voilà, c'est ça la France. Hein. Et, il est même, il regarde à quelle heure il se réveille là avec le camion, mais du café, il n'y en a pas. Hein. La police, ils sont juste là, la gendarmerie. Ils ont tout mis en place, toute l'infrastructure pour vite y arriver. C'est quoi ? De Lyon, de couronne, mais bien sûr, bien sûr. Alors là, c'est la grande gendarmerie, ils vivent là, tu vois. Et gendarmerie nationale, c'est juste à côté de ce truc avec de couronne. Yo, yeah, trois couronnes. Ils vivent aussi ici et ils ont été aménagés pour être là, à côté des enfants du pharaon, qui sont là depuis le 11e siècle. Hein. Donc ils ont tout mis en place, payés par nos impôts, pour sécuriser la sécurité de leur petit bébé aristocratique pharaonique. Alors, c'est ici, je ne vais pas rester trop longtemps. Premier ministre. That guy's already coming here. English. No, French. Speak English. What do you want? What do you want? No, French. English. No, French. No, English. No English. Yeah, well, yeah. Too bad. Alors, je suis ici au centre de ce bâtiment. C'est fascinant. Ouais. Ok. Alors là, on voit la signature de tailleur de pierre, très ancien, du 11e siècle, avec deux fois le V de Templiers. C'est fascinant, avec la croix de Jésus. Et là encore, il y en a beaucoup plus dans le bâtiment. Ça symbolise les prisons, que c'était la prison, et ça symbolise l'école qu'il y en a maintenant. Et comme c'est une prison, ce sont des clés ici du prison. Et là, ce sont des chaînes. Avec ce pauvre Jean, ils ont été attachés. La porte, ça vient sûrement de cette prison.
Alors, il y a le mec de sécurité, il m'a montré le cours. Il était très gentil, il était cette année dans la police. Il est membre vraiment des Templiers, l'ordre des Templiers. J'ai promis de ne pas filmer, donc je ne l'ai pas fait. Mais quand on était à côté de la porte avec les chaînes, ça veut dire nous, le peuple, on est enchaînés, comme le canard enchaîné. Et les clés, ça veut dire nous, donc c'est ceux qui nous gouvernent, ce pharaon ici. On a les clés, donc c'est une prison, c'était mauvais pour ces gens et ils se foutent de nos gueules encore. Mais le mec, il était très gentil, j'ai eu une agréable conversation avec lui. Merci beaucoup, mon ami. Alors c'est ça, la commanderie de Saint-Jean, voilà. Vous avez toutes vu, là, tout à l'heure, le mec dans l'uniforme, c'est un arabe, un musulman. Alors, ce sont les enfants du pharaon, qui sont formés pour être le roi de France, pour un quinquennat. Alors vous pensez vraiment s'il y aura eu des terroristes islamiques qui auraient mis un arabe dans un uniforme pour protéger les enfants les plus importants dans le pays, hein? Ben non, hein. Il n'y a pas de terroristes islamiques, il n'y a pas, ce sont eux-mêmes qui le font, c'est tout un mensonge. Ils mentent, parlement. Ils mentent. Réveillez-vous. Ils n'auraient jamais fait ça, ce sont les enfants, ce sont leurs enfants, le petit pharaon. L'ENA, l'école nationale d'administration, et regarde un peu l'euphémisme. École d'administration, l'école de mettre nous en chaîne plutôt, c'est un euphémisme. Tout menti. Un arabe dans un uniforme pour protéger le petit pharaon. Ouais. Ouais. Je pense juste, j'ai un petit sentiment obscur que ces Templiers, ils sont là ici quelque part parce qu'ils ont laissé leur gladio. Où est-ce qu'ils sont donc? Ah ben oui, mais ils sont là, regarde, ils se cachent. Savoir que le président du conseil général ne sera pas là, mais je l'ai eu au téléphone ce matin, il m'a dit qu'il soumettrait à son assemblée de lundi le contrat triennal, si j'ai bien compris, avec un avis positif. Donc son absence cet après-midi est certes regrettable, mais je n'en fais pas une affaire. Ce qui m'importe, moi, c'est que le contrat triennal véritable soit signé après, évidemment, les délibérations des différentes assemblées. CUS, PIL, Conseil Régional et Conseil Général. Ça fait des arbres un petit peu quand même. Certes, il y a quelques problèmes en ce moment au niveau politique. Tout se mélange. Il y a le problème du siège du Conseil unique d'Alsace. Je m'exprimais là-dessus. Il y a le sentiment parfois que les uns et les autres ne sont pas assez pris en considération. Il y a aussi la réduction de la participation de l'État par rapport à ce qui était espéré dans le contexte économique et financier qui est le nôtre. Tout cela, effectivement, fait un peu de discussion parfois assez dure et presque tard le soir. Une dernière question, le fait que l'État se désengage quand même un peu. On espérait effectivement 68 millions, on en a 47. Beaucoup de villes aujourd'hui se disent si on avait 47 millions, on les prendrait volontiers. Bien sûr, c'est une discussion qui a été très très dure parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce que on est très endetté et que les autorités nationales cherchent à faire des économies partout où c'est possible.
Donc je me suis battu, le résultat il est ce qu'il est. Je vais quand même dire qu'on a un contrat triennal. Même en dessous de mes espérances, c'est quelque chose de constatable. Encore une petite question, monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous allez penser à faire contre l'évasion fiscale en Suisse? Pardon? Qu'est-ce que vous comptez à faire contre l'évasion fiscale en Suisse? Je veux dire, la Suisse pille la France, les plus riches qui ne payent plus les impôts en France, et les pauvres deviennent plus pauvres, les riches plus riches. Ils ont même assassiné des gens, attention la tête là, pardon. Et ils ont même assassiné des gens pour lesquels, que je peux vous donner des informations, il y en avait un Autrichien qui a voulu vendre des CD bancaires par rapport à l'évasion fiscale à la France, et ils l'ont tué, ils l'ont suicidé. Oui, enfin je ne connais pas le détail de ce que vous me dites. Ce que je peux dire, c'est que j'espère que ces évadés fiscaux, comme on les appelle, ne constituent pas une grande troupe. Il y en a quelques-uns. Je considère que même en situation difficile, et surtout en situation difficile, il faut que chacun apporte sa contribution en fonction de ses capacités contributives. J'ai eu rendez-vous avec M. Éric Bouquet, personnellement. Oui. Il a dit que c'est véritablement une très grande groupe. Il y a une très grande partie du budget national de la France qui est pillée par la Suisse et s'est amplié. Je n'y crois pas, ça. Ok, merci M. le ministre. Ouais, il nous ment, hein. C'est juste que... Ah, super. Je m'avais pas attendu à ça. Ah oui, oui, je voudrais aller reçu. Approchez, monsieur. Vous pouvez approcher. Thomas. Ça rapproche. Voilà. Non. D'accord. Merci. Je vous remercie. Non, on est vite, on a des super ciels, quoi. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est ma rencontre avec Sean. Sean, qui est quelqu'un de fort sympathique, qui m'a parlé du lien entre les pharaons et l'aristocratie. Il est vrai que, quand nous sommes passés à côté du château Sauvant, nous avons vu une obélisque dans le jardin de derrière du château. Château, soi-disant, possibilité de le visiter. Après Sean, tout cela a commencé à la zone industrielle en face de Conforama, où je l'ai rencontré, où je l'ai vu marcher devant la voiture, et que je me suis dit, pourquoi on ne le prendrait pas en stop? Et j'ai su directement que quand elle est rentrée dans la voiture, qu'on allait déjà vivre une aventure. Indirectement, hein. Mais j'ai su que ça allait pas se passer normalement. Et c'est ça qui me fait plaisir, parce que, au lieu que ça se passe normalement, qu'on fasse un kilomètre pour déposer une personne qu'on parle pas, et que tout le monde se sent mal à l'aise, on a discuté, on a bavardé, c'était extrêmement agréable. On allait au château de Solvant, et vraiment, cette journée, et je tiens à le dire à tous ceux qui regardent la vidéo, Sean est quelqu'un d'extrêmement sympathique et extrêmement sérieux. Et tout ce que je dis là, c'est, je souhaite qu'une seule chose, c'est que dans votre vie, vous le rencontrez au moins une fois. Tu peux dire qui tu es? Alors moi, je suis parmi les quatre fils de Marie Trintignant. Je m'appelle Léon Tenin-Girard. Je suis après Roman Kolinka et Paul Cluzet, le petit dernier étant Jules Benchetrit. Je suis évidemment, le petit-fils de Jean-Louis Trintignant, dont son père, lui, était pilote de voiture, Maurice Trintignant. Voilà. Ok. Tu penses que tu vas voyager maintenant? Tu vas prendre la route? Je pense qu'avec toutes les idées que tu es arrivé à me dire, je pense très très sérieusement à l'idée de voyager dans toute l'Europe et qui sait, peut-être tout le globe. Et dans le foyer, qu'est-ce que tu as vécu là? Je raconte quoi par rapport à ça? Ok. Je suis
désolé. Mais ouais, ouais. C'est trop grave. Hein. Non, mais c'est qu'après je vais être mal. Mais on est la propriété de l'aristocratie, en fait, parce que nous, on est l'avenir dans la société et ils font n'importe quoi. On n'est pas la propriété des parents, on est la propriété de l'aristocratie. La seule propriété. Le château pharaonique. Voilà. Alors là, il y a l'obélisque. Et là, il y a le château. Alors là, il y a un obélisque, j'ai jamais vu ça, dans un grand comme ça, dans un palais, un château aristocratique. Donc ça, c'est vraiment l'ultime preuve que l'aristocratie, ils sont issus des pharaons. Qu'est-ce que vous voulez en plus? Il y a un fleuve, il faut qu'on passe la fleuve. Et après, il règne la France maintenant dans des loges franc-maçonniques. Dans le parlement. Et étymologiquement, le mot parlement, ça vient de parler et mentir. Ce sont des parlementeurs. Parlement. Alors là, il y a un très grand obélisque en trois parties. Devant le château, il y a Isis. Je vois Isis, le Graal. L'alarme. Alarme. Non, c'est le pont. Ah. Donc, qui veut. C'est à Forcalquier. Qui veut encore pas me pas croire que l'aristocratie, ils sont issus des pharaons. Et maintenant, c'est la franc-maçonnerie. Ici, c'est l'ultime preuve. Et l'obélisque, comme on le sait, c'est le symbole de la domination pharaonique. Et comme c'est un symbole phallique, et il est taillé en os, c'est le symbole pour la circoncision qui vient de Pharaon. Et en fait, c'est le sexe d'Osiris. Ça représente le sexe d'Osiris. Parce que Seth ou Seton, c'est le diable, Satan, ils l'ont coupé en 13 morceaux. Et le 13e morceau, c'était son sexe. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Et c'est ça qui est devenu l'obélisque. Et là, il y a Isis. Tu vois la dame là, la statue? C'est Isis. C'est tout là, hein. Il y a une force, une puissance étrangère qui règne sur nous. Alors c'est Isis là, avec l'obélisque. Et l'obélisque c'est le sexe donc de son mari Osiris. On n'ose pas plus aller plus loin parce qu'ils appellent les flics. Peut-être un autre jour. Alors, le nom de ce château, c'est Miravai, comme Miraval, c'est le château de Brad Pitt, où j'étais avant. Et ça, c'est le Graal, ça veut dire notre sang est là, notre descendance est là. Alors, quand vous pensez, les pharaons, ils ont disparu, mais vous vous trompez, ce sont eux qui sont devenus l'aristocratie, et ils règnent dans des loges franc-maçonniques maintenant. Il y a partout là-dessus, avec les hiéroglyphes du soleil, comme j'ai déjà montré dans le Pharaon Show. Et comme ça, on voit deux, Yashin et Boaz, comme dans une loge franc-maçonnique. Et quand on regarde comme ça, il y a une. C'est bourré avec tout ça. Là-bas, il y a encore une, là. C'est énorme. Bizarre. C'est tout occulte. Alors là, il y a toute une ligne là qui mène sûrement jusqu'en Égypte ou quoi. L'obélisque, c'est le symbole de la domination pharaonique. Alors regardez le pharaon chaud. C'est bourré avec tout ça ici. Et ils ne le plantent pas pour rien. Hein. Ce sont eux qui règnent. Ce sont eux qui sont devenus l'aristocratie, qui sont maintenant la franc-maçonnerie. Ce sont les mêmes, ce sont tous des pharaons. Il n'y a pas de juifs qui règnent, ce sont des pharaons de l'Égypte. Comme dans la Bible, comme dans le Coran. Ce sont eux là qui règnent, le monde. Alors ce n'est pas les juifs qui règnent et tout ça, ce sont des pharaons. Hein. Comme dans la Bible, comme dans le Coran, ce sont des pharaons qui règnent. Ils ne le plantent pas pour rien. Hein. Voilà, c'est énorme. C'est énorme. Ici à Manosque.
Il y a une tour là sur Manosque. Et c'est là que où la lunette, là, l'hiéroglyphe du soleil, sur des obélisques, quand on le rallonge, ça vise comme un fusil, un sniper. Ça vise exactement sur le tour là, où il y a sûrement le trésor de Templier ou une autre. Il y a sûrement quelque chose à voir là-bas. C'est justement cette ligne là, direct. C'est pas pour rien, hein. Le monde d'or. On a des beaux ciels ici. Là. Alors ici, caché sur les plages d'Oma, le monument à l'extérieur, en dessous un arbre, on voit donc le sigle du nouvel ordre mondial, hein, tout là, mais j'ai déjà fait en anglais. Donc, regardez le reportage en anglais. J'ai fait très vite faire en avant-français, voilà. Cimetière, tout ce jeune homme tout mort pour rien. Alors ici, sur le monument de Omaha, on voit donc l'autre côté, l'autre partie du dollar, avec le drapeau d'Israël et tout ça. Donc on dirait que tous ces gens, ils ont donné leur vie pour le dollar. Et là, il y a marqué 666, parce que c'était un sacrifice satanique. Et D-Day a eu lieu, donc les invasions sur la Normandie, le débarquement, le 6 juin. Et le juin, c'est le 6e mois, à 6 heures. C'est tout un sacrifice. C'est le matrice d'Horus. Regardez mes films. Alors, ça, c'est notre croyance européenne. C'est mieux que toutes ces croyances de cette puissance étrangère qui nous ont fait croire ces croyances pharaoniques. Ça, c'est pour nous. Le cercle magique contre ce pharaon. Les forces européennes, quoi. Contre tout ce pipeau. C'est pas... qui vient pas d'ici. Omaha Beach. Alors ici, sur la plage de Omaha, j'ai trouvé le cercle magique des champignons. Voilà. Je crois pas aux dieux. Mais peut-être il y en a des forces supérieures qui peuvent nous aider. Donc j'ai fait une petite prière. Les plages, voilà, ils sont là. Le cimetière, il est là. Toutes ces conneries humaines. Il n'y a pas de fin, là. Donc, les forces supérieures, donne-moi la force que je peux détruire les Templiers, les Pharaons, les Mâles et les Suisses qui financent tout ça, pour que toutes ces conneries s'arrêtent. Voilà. Bon, on va voir si ça aide. Je m'appelle Rodolphe Hercouette. En 2001, mon fils, Michel Hercouette, a été abattu par derrière par des policiers suisses de 19 balles, alors qu'il n'était ni armé et ni menaçant. Il y avait même son bébé de 3 mois et sa copine dans la voiture. Et les trois policiers, après deux procès en assises, ont été acquittés. Ils l'ont abattu donc sur le sol français, oui, les Suisses. Sur le sol français. Ouais, comme un cow-boy, comme tu as dit. Hein. Mm-hmm. Et, Je suis un ami de John Ross, qui m'a toujours soutenu, déjà depuis beaucoup d'années. Dans cette histoire, et ça l'avait marqué lui aussi. Donc ça, c'est Michel Hercouet, à 25 ans, trois policiers suisses, ils l'ont buté, abattu, avec 19 balles sur la territoire suisse. Mmh. Ces Templiers suisses, ils sont au-dessus de toutes les lois. Et comme la franc-maçonnerie, ils sont issus de ces Templiers
Ils ont commandité, donc, avec le procès à Reims de haute instance, que les policiers suisses issus des Templiers ne seront jamais punis. Les Suisses peuvent faire ce qu'ils veulent, financer Adolf Hitler, etc. Alors ici, c'est la tombe de Michel Hercouet à Blotzheim, en Alsace. Donc, comme il a été assassiné par des policiers suisses sur le sol français. Son père qui est là, il est ancien combattant pour la France et c'est très amer. Quand son fils a été fusillé, la patrie n'a rien fait pour lui soutenir. Ils ont simplement massacré son fils. Alors pourquoi faire la guerre? So this is the grave of Michel Hercouet. He was murdered by three Swiss policemen in France. He had his child who was only 3 months next to him, a baby, and they shot him with 19 bullets in the back. And the murderers, the Swiss policemen, the cops, never had anything to worry about. Because Switzerland was founded by the Templars, and from the Templars are the Freemasons who came out of it. So you understand, all the Freemasons had the order, not to do anything against them, you know. Also hier ist das Grab von Michel Hercouet. Ein junger Mann, der ist in 2010 ist er da abgeschossen worden mit 19 Kugeln durch drei Schweizer Polizisten. In Frankreich selber. Die haben absolut nichts zu befürchten gehabt, weil die Schweiz ist von den Templern gegründet worden und aus den Templern sind die Freimaurer geboren worden. Und diese Schweizer Templer, die haben das Befehl verbreitet, dass keiner von diesen Polizisten durch all diese Freimaurer in Frankreich irgendwie eine Verurteilung befürchten müssten. Der Vater ist ein ehemaliger Kämpfer aus der französischen Armee. Und das ist sehr bitter. Für Frankreich hat er gekämpft und die haben ihm einfach seinen Sohn abknallen lassen, wie eine Cowboy. Und mich berührt das Ganze auch total da seit 10 Jahren. So I'm very much touched by this history since 10 years. It's really awful. Okay. So he was murdered in 2001, Michel Hercouet. His child is 11 years old now, doesn't have a father. The Swiss, they can just do what they want. They can finance Adolf Hitler, all the dictators, they just do what they please. So let's stop them. L'affaire de l'assassinat de ce jeune français sur le sol français par cette organisation armée venue de l'étranger n'est pas encore finie. En 2012, et 11 années plus tard, ces Suisses veulent condamner Sean Ross à une peine de prison ferme parce qu'il a toujours, depuis 11 années, soutenu le père Rodolphe Hercouet dans son douleur de père qui a porté son fils dans la tombe. Sans aucune raison, ils ont envoyé une unité antiterroriste à Sean Ross en 2011 pour pouvoir trouver de la correspondance avec le père Hercouet. Et ils ont trouvé une lettre âgée de 11 années dans laquelle Sean Ross, dont c'est déjà périmé, dans laquelle Sean Ross écrit au père qu'il faut laisser savoir aux Suisses qu'ils ne sont pas bienvenus en France suite à leur violence, quoi. Et ces Suisses qui ont semé la terreur et ont fait preuve d'une énorme violence veulent condamner Sean Ross pour appel à la violence. Vous imaginez, eux qui ont semé la violence veulent condamner quelqu'un pour un appel à la violence parce qu'il est en fait contre. Le deuxième truc là, il y a marqué « öffentliche Aufforderung zu Verbrechen » oder zu Gewalttätigkeit.
C'est ça, donc, la lettre avec laquelle que j'ai essayé de soutenir donc, un père brisé dans sa douleur. Ouais. Pendant que Sean Ross a en fait écrit cette lettre pour faire un appel contre la violence et pour soutenir un père brisé dans sa douleur, on voit là clairement que ces Suisses n'ont aucun regret ni de mauvaise conscience de ce qu'ils ont fait et qu'ils ont prêt 11 années après de faire de nouvelles victimes dans cette affaire. Sean Ross et sa famille envoient une SOS aux gens dégoûtés par la violence et crimes organisés suisses en demandant au secours aux gens et de lui soutenir contre la terreur suisse sans fin. Et suite au fait que la franc-maçonnerie de la justice française ont protégé ces trois assassins de la police suisse, a comme résultat que ces Suisses et Suissesses n'ont rien appris encore et qui sont même prêts à insister dans leur crime et prolonger même l'affaire Hercoué. En tout cas, la justice française les laisse faire tous les crimes possibles sur le sol français. Alors il n'y a rien du tout à craindre pour ces Suisses. Au cas de récidive, ce qu'ils et elles sont en train de commettre. Donc, suite à la collaboration de la justice française avec des assassins sans remords, des nouvelles escalations sont en train de prendre lieu dans cette affaire 11 années plus tard, là, en 2012. Et les Suisses, ce sont des monstres. Ce sont des monstres qui ont financé Adolf Hitler, etc., etc. Ils savent que mentir, arnaquer, tuer, assassiner, avec leur banque suisse, ce sont des monstres. Regarde les choses qui mentent ensemble là. Et ils utilisent leurs autorités en fait pour vivre leur haine personnelle, ce qu'il y en a dans la conscience nationale de ce peuple suisse. Pas parce que M. Sean Ross est un étranger et il ouvre sa bouche. Et en Suisse, il y en a les lois de silence, comme chez chaque mafia. Hein. Voilà, donc Sean Ross demande de l'aide, un secours contre ses crimes. Voilà. On n'oublie pas Michel Hercouet. Et ce qu'ils ont fait, on va pas l'oublier. Donc c'est là la photo de Michel tué par 19 balles par trois policiers suisses sur le territoire suisse. Français, pardon. Il faut que je le refasse. Alors ici c'est le pont Saint-Esprit. Et cet endroit et cette histoire ici est très liée avec les attaques du vendredi 13 et les attaques à Bruxelles en disant terroristes. Parce qu'ici, je pense que c'était 1953, il faut voir mon autre film en anglais là-dessus. Et ils ont empoisonné la population entière de cet village avec du LSD qui était donc... Juste avant, c'était inventé par Hoffman à Bâle et il voulait le vendre au CIA. Et à la tête du CIA, il y avait aussi un Suisse qui s'appelait Alan Dulles. Pendant la guerre, il était tout le temps à Berne, travaillait pour le OSS et travaillait collaborait avec les Allemands, bien sûr. OSS, ça veut dire the Office of Strategic Services. Et le président à cette époque, l'américain Eisenhower, il était aussi suisse. Et le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, son vrai nom c'était Hoover, c'est aussi un suisse. Et ce pont-là a été construit par des Templiers, dans l'époque des Templiers. Issus de Templiers sont nés la franc-maçon, et ils ont fondé la Suisse. Les Templiers. Donc, la connexion avec la Suisse, il est là, partout.
Et donc pourquoi vendredi 13? Parce que Philippe le Bel, il a arrêté tous les Templiers, les Templiers en France, le vendredi 13 octobre 1307. Mais juste 16 ans avant, en 1291, ils avaient déjà fondé la Suisse, parce qu'ils voyaient les problèmes venir. Donc ici, donc, c'est lié avec le MK Ultra, c'est le système de lavage cerveau. Et ils sont très loin avec ça, donc ils enlèvent des jeunes maghrébins de leurs cellules, quelque part dans une prison, qui ont fait une petite connerie ou une grande connerie. Et on les attache sur un lit, les jambes, les bras aussi, le torse et tout, et, avec des ceintures en cuir. Et ils vont le torturer avec du feu, l'électricité, avec des cigarettes, avec des médicaments, avec l'LSD, etc. Et quand tu es torturé, tu veux t'enfuir, mais tu ne peux pas parce que tu es attaché au lit. Donc tu vas t'enfuir dans ton cerveau et tu vas rentrer dans une autre dimension, une autre personnalité sera créée, une schizophrénie va se mettre en place. Et les tortionnaires, ils vont donc travailler avec la nouvelle personnalité qui est créée. Ils vont laisser la personnalité originale, ils vont le laisser à part. Ils vont le garer quelque part et ils vont le mettre des lunettes avec des images et, sans arrêt, des médicaments, LSD, etc. Et quand ils ont fini avec ce mec, il ne sait plus quoi faire d'autre que de pousser la gâchette avec son arme qui est donnée par eux. Donc il y avait à Paris, il y avait deux groupes d'hommes. Il y avait Octogon, les nazis templiers, qui sont issus de pharaons et des aristocrates. Leur base, c'est la Suisse. Et qui ont planté ce jeune homme quelque part en ville pour au Bataclan, etc., pour qu'ils font leur truc. Et donc cet expériment a déjà commencé ici, en 1953, je pense c'était. Et là, le dernier bout là-bas, ça a été bombardé ou miné par des Allemands quand il était en retraite. Il voulait couper donc tous les ponts pour que les alliés ne pouvaient pas avancer. Et c'est très grave. Et à ce moment-là, donc Alan Dulles, c'était un Suisse, c'était le directeur du CIA. Et oui, donc c'est tout lié et c'est la Suisse qui est derrière le pont Saint-Esprit, un grand crime contre l'humanité, ici au Rhône. Donc il faut voir mon film en anglais là-dessus pour en avoir plus de détails, comment c'est lié à la Suisse, ces événements ici. Donc ce pont-là, il a environ 1 km, il est construit presque, ça fait presque 1000 ans. Il y a même des camions qui passent là-dessus. Et pourquoi le vendredi 13 à Paris? Parce que oui, le roi français, Philippe le Bel, il a arrêté les Templiers en France le vendredi 13. C'est pour ça que le vendredi 13, c'est une journée occulte. Donc c'était le vendredi 13 octobre 1307 que les Templiers ont été arrêtés. Mais c'est pour ça, ça leur donne, parce que issus de Templiers sont donc nés la franc-maçonnerie, et qui sont partout au poste clé, ils reçoivent les ordres des Templiers, c'est leur aile militaire. Et leur aile politique, ce sont des Templiers. Manuel Valls, il est à 100% Suisse, va aller voir mon film. Et donc ils ont leur homme en place, pareil comme à l'époque il avait Eisenhower, un Suisse, en place, pendant que les choses se sont déroulées ici. Et le FBI, le directeur du FBI, c'était un Suisse. J. Edgar Hoover, son vrai nom Hoover. Le directeur du CIA, c'était un Suisse, Alan Dulles.
Ce pays a été fondé par des Templiers. Ils gouvernent le monde entièrement. Et ce sont des nazis Templiers qui ont financé Adolf Hitler, etc. Il faut voir mes films en anglais là-dessus. Et on a menti au Parlement, c'est pour ça qu'on dit parlement. Hein. Ils parlent et ils mentent. Ce sont des parlementeurs. Et ce sont même eux qui ont donné ce nom au Parlement. Parce que ils disent, mais le peuple, ils sont tellement stupides, ils ne vont jamais comprendre. Ben, ils ont d'accord. Ils ont raison. Le peuple ne comprend pas. C'est moi qui ai compris. Je suis anglophone et j'ai analysé l'étymologie de ce mot et j'ai aussi infiltré Octogone en Suisse. Et j'étais là quand ils ont discuté l'avenir de la France avec les attentats. J'ai entendu comme ils ont parlé de tout ça. Bon. Réveillez-vous. Et peut-être je demande des personnes de m'aider parce que vous voyez là, je suis dans la rue là. On m'a arrêté avec une unité antiterroriste en Suisse. On m'a terrorisé sans arrêt. Et je ne peux plus voir ma femme et mes enfants. Et j'ai besoin d'un ordinateur, accès à Internet et une place pour dormir. Donc, s'il y a des personnes qui peuvent m'aider, ce sera bien. Malheureusement, la plupart de mes fans, ils sont aux États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Angleterre. Et c'est un peu loin. Donc je demande de la solidarité pour continuer mon travail, de vous aider et de donner des informations. Et les informations, en fait, ils sont sur mes deux chaînes YouTube, Gyuré et Schatz et Fratz. En anglais surtout. Et je vous demande de visionner ce film en anglais parce que je peux pas répéter tout ça ici là. Ouais, donc une demande à la solidarité, c'est pour vous et nos enfants, l'avenir. Ça va mal finir si on fera rien. Il y a un proverbe latin qui dit « non fac est fecit qui prodest », ça veut dire « celui qui profite, il est le coupable ». Et qui profite des attaques en disant « terroriste » ? Oui, c'était terroriste, mais ce n'était pas eux qui l'ont fait. Mais c'est l'extrême droite, c'est le Front National qui profite. Ce sont des nazis templiers d'Octogone, les Suisses. Et quand on regarde qu'est-ce qu'ils ont attaqué, qu'est-ce qu'ils ont ciblé, des cibles de gauche, Charlie Hebdo, le stade de foot pour le peuple, un concert de rock à Bataclan, des jeunes, le McDo, ils ont couru à côté, ils ont rien fait, ils ont pas attaqué de droite ni des autorités, donc c'est clair qu'il y a derrière là. Ce sont des autorités, c'est l'extrême droite. Et ils veulent donc consolider un état policier avec tous ces attentats sous faux drapeau. Et ce sont des attentats sous faux drapeau. Il n'y a pas de musulmans qui ont fait ça. Il y a eu donc deux groupes de militaires d'Octogone. Parce que quand on tire une ligne autour d'une croix suisse ou une croix de Templier, on aura une forme octogonale. Je l'explique dans mes films. Et la plupart des temples de Templiers et de châteaux forts, ils ont été construits octogonales. Comme ça, on peut les reconnaître. Je suis historien, donc je sais. Même le nid d'aigle d'Adolf Hitler a été construit octogonal. Là, dans la Bavière, dans les Alpes. Donc on le sait à qui il appartenait. C'était des nazis templiers. Les templiers ne sont jamais disparus. C'est pour ça qu'ils ont creusé dans le sud de la France, à Bugarach, Rennes-les-Châteaux, avec le SS Annenerbe. C'était le SS Otto Rahn, avec le chapeau de Indiana Jones. C'est de là, en fait, que Steven Spielberg il a repris l'inspiration de ce caractère de Indiana Jones.
C'était le SS Annenerbe qui ont creusé pour des trésors de Templiers, des trucs dans le sud de la France, et en fait partout dans le monde. Et le Templier, le dernier de croisade a eu lieu en 1291, et le dernier bastion de Templiers, c'était Saint-Jean d'Acre, qui est tombé le 18 mai 1291. Seulement 2 mois et demi plus tard, le temps de revenir, le 1er août 1291, ils ont fondé la Suisse. Et quand on regarde le drapeau suisse, bon, c'est la même couleur, ou sur le couteau suisse, c'est le bouclier de Templiers. Et après les Templiers, ils étaient les banques en Europe. C'était donc pas les Juifs, les Templiers. Donc c'est clair que le fameux trésor de Templiers est venu en Suisse. Mais je ne peux pas tout répéter ici, allez voir mes vidéos sur YouTube en anglais. Là, il y a le couteau suisse, le bouclier de Templiers. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Et ça aussi Rothschild. Hein? Rothschild, rote shield, ça veut dire le bouclier rouge de Templiers. Et le Rothschild, c'est de l'aristocratie, comme des Templiers. Hein, c'est barons de Rothschild, ce sont des barons, et ils sont basés en Suisse. Apparemment, ils sont aussi d'origine juive, mais les juifs aussi, ils ont de l'aristocratie. Pareil que chez nous. Donc, on est d'abord l'aristocrate, et longtemps après, bon, on est peut-être français, ou juif, ou anglais. C'est pareil que chez nous. Il y a encore 100 ans, tout partenait à l'aristocratie. La terre, le pouvoir, nos femmes, le primé noctis, le droit de cuissage. Alors tu penses, ils ont tout laissé comme ça, hein? Ils ont disparu? Ah non, hein? Ça c'était l'ancien ordre mondial et le système féodal, et maintenant c'est le nouvel ordre mondial avec le système de la franc-maçonnerie. Et ce sont tous des aristocrates qui sont issus de pharaons. C'est pour ça qu'ils montent tous des obélisques, des pyramides, de l'œil tout voyant. Ce sont eux qui ont fait tout ça, ici, là. Le crime contre le peuple, un expériment sur des cow-boys, cobayes avec le LSD, le lavage cerveau, le MK Ultra de CIA. Et c'est le même qui sont derrière les attaques sous faux drapeau à Paris, à Bruxelles, le 11 septembre, etc. Pour donner un prétexte pour une autre guerre géostratégique pour le pétrole et pour l'opium en Afghanistan, comme au Vietnam, c'était l'opium, le triangle d'or. Ce sont tous des guerres géostratégiques. Et en même temps, maintenant, ils ont installé vraiment de nouvelles lois. Ici en France, ils peuvent te tirer dans le dos s'ils veulent. Ils peuvent rentrer dans ta maison sans qu'il y ait un juge, que ça passe par un palais de justice. Tout est en place. On est adapté à des autorités dans la rue avec des fusils d'assaut. Alors, il faut juste une petite étincelle, tout est en place. Ils vont nous tout mettre dans des camps de concentration. Tout le monde va souffrir, aussi des Français, des Européens. Parce qu'ils ont visé surtout des Européens, hein, et nos enfants. Alors, organisez-nous, solidarité. Quelques mètres à une place où je peux travailler. Donc ici, c'était l'histoire du pain maudit. Ils ont mis de LSD, les Suisses, ils ont mis le LSD dans le pain. Il y a un garçon de 11 ans qui a étranglé sa grand-mère. Les gens, ils sont sautés de fenêtres. Des centaines qui sont... ils ont fini leur vie dans des hôpitaux psychiatriques. Ils ont vu des serpents qui sortaient de leur ventre, etc. Et avec ça, ça donne une schizophrénie. Tu peux faire effectuer un lavage cerveau. Quand tu es complètement fou et vide, tu ne sais plus où tu es. Là, tu es accessible de... Donc pour des suggestions et de mettre en place un autre logiciel, si tu veux, dans ta tête. Avec des images, avec avec du son, avec tout ce qu'ils ont, tous les sens.
Et ils sont très loin. Hein. Tous les jours, ils travaillent là-dessus, en liberté. Et ils sont complètement au-dessus de toutes les lois. Et je veux dire, l'aristocratie, ils ont toujours fait ça. Donc les pharaons sont devenus l'aristocratie. Et l'aristocratie, ils règnent dans le nouvel ordre même, mondial maintenant. Ce sont les mêmes. Ce sont des pharaons. Ils n'ont jamais disparu. J'espère que Dieu regarde YouTube. Alors ici, on voit le centre de détention de torture à Berne, en Suisse, avec deux obélisques, fraîchement polis. Voilà, le symbole de la domination pharaonique. Le triangle de francs-maçons et Isis deux fois. Et ici, il y a l'ours. Comme dans les révélations de Jean, c'est l'état de l'ours. La bête, mais c'est la Suisse, hein, comme j'ai expliqué. Avoir le pharaon chaud. Voilà. Ici, ils ont tué beaucoup de gens qui sont été suicidés. Voilà. La Suisse tout propre. Alors, dans cette magazine suisse du Blick, le plus grand journal en Suisse, de 2005, il y a écrit partout où c'est vert qu'il n'y en a pas assez de l'oxygène pour respirer. Les gens, ils sont torturés. Des milliers d'immigrants, surtout des musulmans, sont été torturés et beaucoup sont été suicidés là-dedans. Voilà, ici des preuves. Et comme chaque mafia, ici en Suisse, il y en a la loi des silences, le omerta. Quand on ose d'en parler, il vient avec avec des avertissements, ils te coupent le pied du chat, ils te font arrêter par une unité antiterroriste, des attaques par les nazis, voilà, etc. Mais les preuves, ils sont là. Hein. C'est une très grande mafia, les Suisses, et beaucoup de gens ont été assassinés là-dedans. Avec le peuple suisse, ils sont tout à fait d'accord. C'est comme ça. Comme ils sont financés Adolf Hitler, tout est en cachette. Mais les preuves, ils sont là. Ceci est encore un avertissement de ces Suisses avec l'arrestation de cette unité antiterroriste et la menace de mort que je reçois de la police suisse et de la justice suisse. Voilà. Et ils ont fait encore beaucoup pire. Alors, ça s'est passé l'année passée. C'est encore un avertissement comment ils ont coupé le pied de notre chat. Ils m'ont fait arrêter avec une unité antiterroriste. Ils m'ont mis trois flingues sur la tête, des menottes aux pieds et aux mains, des mecs cagoulés et armés jusqu'aux dents de partout, des menottes aux pieds et aux mains. Et plus tard, j'ai reçu des menaces de la police et de la justice suisse. Si j'ouvre ma bouche de nouveau sur l'internet, sur l'histoire suisse, et je critique la Suisse, bon, mais ils vont me finir. C'est ça que... des menaces de mort. Donc, c'était paru ça dans le journal le plus grand en Suisse. Ils m'ont fait arrêter par une unité antiterroriste parce que j'étais frappé par un policier très agressif et très dangereux. Donc je l'ai mis sur YouTube. Alors, c'est à la raison pour laquelle, uniquement, qu'ils m'ont fait arrêter avec une unité antiterroriste, hein, comme un avertissement. Et là, ça devient très dangereux, je pense. Ils vont aller faire, ils vont aller exécuter leurs menaces. Voilà, c'est la Suisse, c'est un pays nazi, très dangereux. Suite à la terreur suisse, je me trouve dans la rue.
et séparé de ma famille, femme et nos trois enfants aimés. Je suis un vieil homme avec des cheveux gris et la santé brisée à cause de la torture dans des centres tortionnaires suisses par la durée de 18 années de la terreur suisse. Je demande aux bonnes âmes qui en ont marre également de ce monde en état de guerre sans arrêt et qui sont dégoûtés par cette injustice infligée par l'élite mondiale et leur base suisse de pouvoir de m'héberger pour quelque temps, pour continuer mon travail pour un avenir en transparence pour nos enfants aimés. Je suis là dans une vieille église, un vieil temple de chevaliers templiers, sur la Via Templare, chemin de Templiers à Albenga, Italie, où les chevaliers templiers passaient, ramenant le trésor de Templiers de l'Égypte, du Pharaon, en Suisse, pour y fonder des banques suisses avec. Écoutez la prière dans le temple de Templiers. Jésus-Christ est Dieu créateur de tout. S'il vous plaît, libérez-nous, moi et ma famille, du joug suisse. Leur cœur plein d'haine, leur langue qui ne raconte que mensonges. Et où se trouve la fortune mondiale accumulée de Lucifer. Diable, ton nom est suisse. Satan, ta maison est suisse. Je vous prie, mon Dieu, libérez-nous de la captivité suisse et arrêtez la terreur suisse.